بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تقدم الشكر لمدير ديال الأكاديمية ديال الإقليمية البركان. أولا أشكره أيضا سي قصو اللي سبعاني أنا و لو كوليك ديالي سي عثمان بوغ أنيمي أفيك فو سو وركشوب. Donc, avant que nous on entame la discussion autour de Teams, j'aimerais bien féliciter tous les enseignants qui ont pu produire en un temps record du contenu et surtout utiliser la plateforme pour pouvoir collaborer et communiquer avec leurs élèves. On pourra les mettre directement dans cet emplacement-là. Cet emplacement-là qui va être lié à sa classe. Et il sera partagé avec tous les autres élèves de la classe. Et, entre parenthèses, chaque professeur il a la possibilité d'avoir un partage de fichiers qui peut atteindre jusqu'à 1 Tera de stockage virtuel sur Office 365. Les choses qui différencient Teams et Teams Education, c'est la possibilité de pouvoir créer les classes notebook. En fait, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une valise pédagogique. Ce bloc-notes de classe, comme vous allez voir, il sera décomposé d'un environnement qui va être en lecture seule, où l'enseignant pourra y stocker ses fichiers, que ce soit Excel ou PowerPoint ou Word. Ils seront vus par les différents autres élèves, mais ils ne seront pas modifiés par eux. Un deuxième espace, le bloc-notes de classe, elle sera un espace de collaboration où, cette fois-ci, les fichiers qui vont être stockés dans cet environnement-là vont être en modification par tout le monde. Aussi, Teams vous donne le droit et la possibilité de gérer les devoirs. Donc, vous avez la possibilité de créer des formulaires sous forme de quiz, de les partager avec les membres de votre équipe qui sont vos élèves, de leur donner un temps de réponse et automatiquement, si vous introduisez dans votre devoir un barème, ce barème va donner une génération de notes automatique et vous aurez une matrice de notes dans ce sens. J'ajoute aussi que dans Teams Education, vous avez la possibilité de le connecter à un certain nombre d'outils supplémentaires qui sont développés autour de cet outil-là, où vous connaissez, par exemple, Campoly. Donc, Teams, il fait partie de la suite Office 365. Donc, quand vous rentrez avec Talim.ma ou carrément à partir du portal.office.com, vous avez accès à tous les outils Word, Excel, PowerPoint que vous connaissez, à votre disque dur virtuel qui s'appelle OneDrive. Aussi, vous avez accès à ce qu'on appelle le stream. Je reviendrai sur ce point-là juste après. Ainsi que Teams vous donne la possibilité de leur interagir avec des liens YouTube, des liens sites web ou carrément d'autres outils comme Flipgrid que les enseignants aiment utiliser avec, par exemple, le gestionnaire de sondage de Poulie, par exemple. Cette barre-là qui est au centre, c'est un peu la barre, la télécommande de Teams. Il vous propose l'utilisation de caméra. Un conseil que l'enseignant doit porter, c'est que l'utilisation de caméra consomme de la bande passante. Et donc, il serait judicieux, du moment qu'on ne l'utilise pas, de la désactiver. Recommandez à vos élèves de mettre un mute pour pouvoir écouter seulement la voix du professeur. Vous avez la possibilité d'utiliser les partages à ce niveau-là. Des fonctionnalités supplémentaires sont embarquées et encouragez vos élèves à utiliser la conversation pour pouvoir gérer mieux la salle. Un résumé, c'est qu'une équipe ou une classe, c'est un enseignant avec ses élèves où ils peuvent partager des ressources pédagogiques ou des rendus de travail. Ça peut être enregistré ou la photographie, un résultat sur un papier et le mettre sur une image dans l'équipe. Vous avez aussi la possibilité de coproduire. Et la notion de coproduction, ça veut dire que
des élèves pourront se mettre ensemble sur le même fichier PowerPoint, par exemple, pour travailler un exposé. Et donc, c'est une manière de pouvoir travailler ensemble et collaborer et mettre en exergue tout ce qui est production collaborative. Avec Teams, on peut faire un appel audio et vidéo. On peut faire du chat, hein, de la conversation instantanée. On se partage du contenu. On y stocke du contenu fichier. C'est un outil où j'ai la possibilité d'avoir mon bloc-notes ou un OneNote. Il est organisé par thème, par module et par leçon, chose que Osman donnera plus de détails dans l'exercice. Moi, j'aimerais bien se focaliser sur quelques points importants. On peut créer rapidement notre rendez-vous de leçon en utilisant le calendrier et en invitant directement notre canal ici, notre équipe. Aussi, quelques options nous pourrons faire. Par exemple, si vous pouvez remarquer à ce niveau-là, vous avez option de réunion. Si vous cliquez, vous avez une page supplémentaire qui sort et vous pouvez remarquer que qui peut présenter? Moi seulement. Et ça, c'est intéressant donc, du moment que l'enseignant ne veut pas que d'autres élèves prennent la présentation. Et donc, vous pouvez à ce niveau-là pouvoir le faire. Quelques options supplémentaires. Vous avez à votre gestionnaire de contact la possibilité de désactiver les micros de tout le monde à ce niveau-là. Entre parenthèses, Microsoft va ajouter prochainement l'option de lever la main pour prendre la parole. Donc, bientôt prochainement. Je reviens à cette interface d'écran où j'ai la possibilité de cliquer là pour pouvoir partager soit mon écran, soit mon PowerPoint. La grande différence est que si je partage mon écran, c'est-à-dire mon bureau, tout ce que je fais, tout mon passage entre les différentes fenêtres vont être vus par mes élèves. Par contre, si je partage que l'application PowerPoint, donc tout le monde va voir que le PowerPoint et moi derrière, j'aurai la possibilité d'aller chercher des informations, d'autres choses dans mes répertoires, par exemple. Une nouveauté intéressante qui vient d'être intégrée aussi, ce qu'on appelle le whiteboard, en fait le tableau blanc. Si parmi vous, des enseignants qui ont une tablette et qui ont un stylet pour pouvoir écrire sur, vous avez la possibilité d'activer le whiteboard. Ce whiteboard vous donne la possibilité de pouvoir avoir un tableau blanc avec les différents stylos feutres de différentes couleurs pour pouvoir tracer vos différents schémas. Et donc, j'invite bien les professeurs SVT et physique qui pourront l'utiliser aussi. Bien sûr, vous pouvez faire aussi l'essai si vous manipulez la souris très très bien. Vous pouvez arriver à faire quelques schémas aussi en se basant sur votre souris à ce niveau-là. Bien. Donc, vous pouvez remarquer ce bouton ici rouge. Ça veut dire que vous avez démarré votre enregistrement. Et quand vous démarrez votre enregistrement, le travail va être en arrière-plan. C'est-à-dire que Microsoft Teams va enregistrer toutes vos interactions au niveau de Teams. Il va l'enregistrer sous forme de vidéo de haute qualité et vous allez remarquer avec moi dont la taille ne dépasse pas, par exemple, pour 3 heures, 500 mégas. Et là, toujours la question qui se pose, ouais, mais attends, où est ma vidéo? Donc, pour les professeurs qui veulent récupérer leur vidéo, c'est vrai que vous aurez au niveau du chat, par exemple, ou carrément, si vous voulez revenir, je vous propose une manière aussi simple de le faire. Ceci, pour y accéder, vous tapez votre office.com. Vous vous authentifiez avec talim.ma, d'accord? Et puis, vous atterrissez dans cette interface-là où on vous propose tous les outils que Microsoft et talim.ma vous présentent. Et là, vous tapez, vous cherchez Stream. Une fois vous cliquez sur Stream, vous allez remarquer que vous allez retrouver toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Ces vidéos-là, donc votre contenu de vidéo, vous aurez le droit de le télécharger, de rogner. Ça veut dire que vous ne laissez qu'une partie de la vidéo qui vous intéresse. Donc de la télécharger puis de la supprimer pour la rendre
indisponible pour les, les élèves ou les étudiants. Vous avez fait une erreur que vous voulez refaire, par exemple, ou partager avec d'autres personnes dans votre organisation. Donc, je rappelle, ceci, ce qu'on appelle le web microsoftstream.com. Et tout ça, c'est transparent à l'utilisateur final. Quelques petites recommandations supplémentaires. Favorisez l'interaction avec du chat, avec vos élèves. J'ai parlé de ce lancement d'enregistrement à partir de ces trois points pour le faire. Si vous n'avez pas de questions sur ce point-là, j'invite mon collègue Othman Bezaz pour lancer un atelier pratique autour de Teams. Et je vous remercie pour votre attention. Shukran, si Anas.